chers internautes, ça vous plaît ou pas les voyages d'Auguste? C'est bien? Allez, laissez des commentaires un petit peu là. Ouais. Allez, on passe un tunnel. Oh. Cette route, elle est magnifique, hein. Elle est vraiment superbe. C'est la C14 qui va de Andorre vers Lleida, Tarragone. Voilà, c'est magnifique, les gorges du truc qu'on vient de passer. Là, là, on tombe dans des paysages, c'est totalement différent. Voilà, et on va vers Oliana. Voilà, ça dans l'autre sens, on ne l'a pas vu. Voilà, donc c'est là, ça c'est le col... ça c'est la ville, non, col Saint-Climent, non c'est col de Nargo, voilà, col de Nargo. Donc voilà, la suite des événements, bah, comme on disait tout à l'heure, donc on est retourné dans le village, et puis bah, on a fait ce qu'on a dit, on s'est arrêté dans une épicerie bah, pour acheter de l'eau, parce qu'on n'avait plus de flotte, comment dire, la caissière elle me dit « Ah, mais c'est pas un accent espagnol, ça. » Je dis « Ah bon, mais vous parlez français ?» Elle me dit « Mais oui, je suis française !» Bon, bah, alors, du coup, on a papoté 2 minutes, quoi. Puis, on en est venu à dire... Enfin, j'en suis venu à lui demander « Mais vous connaissez pas un spot sympa, quoi ?» Parce que nous, on est en camping-car, quoi. Je suis avec femme et puis mes deux filles, et puis... Voilà, on voulait rester dans le village, là, parce qu'il était 17h30, quoi. Donc 17h30, refaire de la montagne pour dormir, on ne sait où, avec les enfants énervés et tout, non, on laisse tomber. Et puis là, elle me dit, mais si, mais bien sûr. Donc vous allez là, vous prenez à droite, nanana, vous montez un petit peu, et puis bah, là, vous allez arriver à la piscine. Et puis, vous allez voir, c'est une petite esplanade, c'est sympa. Ici, bon, y a pas mal de gens qui se mettent. Donc, vous pouvez rester là pour la nuit. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc, bah, du coup, on est venu ici. Et là, il y a le musée de la préhistoire qui est juste derrière moi. Là. C'est pas très beau comme bâtiment, mais enfin bon. Alors, on ne pourra pas y aller demain parce que ça ouvre à 11h. Mais voilà. Donc, là, on sort de la piscine. La piscine, elle est super cool, quoi. Et puis, donc là, je suis en train de télécharger l'application pour pouvoir déclencher la caméra du mini-drone. Et j'avoue que j'essaierai bien, quand même. J'essaierai bien, voilà l'histoire. Un Parrot Mambo FPV, quoi. Donc, on peut mettre le casque, si on veut, avec... le smartphone qui est derrière, quoi, qui est relié à la caméra, ou alors l'accrocher direct sur la télécommande. Donc, il peut faire des figures, il peut faire 2-3 trucs. Bon, par contre, la caméra, ouais, je l'ai peut-être déjà dit, quoi, elle filme en 720p. Donc, c'est pas une qualité full HD, quoi. Bon, tant pis, c'est comme ça. De toute façon, c'est pour essayer, c'est juste pour avoir des images de temps en temps, quoi, quand le temps le permet, bah, de l'environnement où on est, quoi. Parce que je vois, il y a pas mal de chaînes YouTube où ils font ça, c'est vrai que c'est ça fait des images superbes, quoi. Il suffit de mettre des bonnes zigs derrière. Alors moi, je suis pas spécialiste des musiques un peu électro et tout ça, c'est pas trop mon truc, moi je préfère le jazz. Voilà. Donc, là, j'attends les filles. Je sais pas si on voit Chloé là-bas. Elles sont au jeu, parce qu'en plus, il y a des jeux. Il y a terrain de foot en bas, terrain de truc, machin. La piscine, elle est juste là. Là, il y a un bar, hein, le bar de la piscine. Enfin, voilà, je crois qu'on va rester squatter là ce soir, quoi. Puis on repartira demain.
Alturgel, la SE, la CEU, je sais plus où on est. Ah oui, j'oubliais, en plus, il y a le Wi-Fi gratos, quoi. Donc, Internet gratos, le Wi-Fi, il est gratos par le parc de la préhistoire, le musée de la préhistoire. Voilà, c'est le village qui met ça à disposition. C'est quand même super cool, quoi. Voilà. Allez, bon, à plus tard. C'est vraiment superbe. On est dans un décor de cinéma, quand même. C'est incroyable. Waouh. Je sais pas ce qu'ils cultivent là. J'ai l'impression d'être au Pérou, quoi, ou dans les Andes, avec ces terrasses là. Bon. Voilà. Oh, c'est superbe. On se croirait vraiment dans un film. Ça sert à rien d'aller aux États-Unis, le rêve américain, n'importe quoi. Il suffit de venir en Catalogne, dans les Pyrénées espagnoles. Oh là là, va pas raconter n'importe quoi, pépère. Il suffit de venir dans les Pyrénées, voilà. C'est l'Australie, c'est les Amériques, c'est même le Pérou. C'est même la Bolivie, il y a tout, quoi. On pourrait même se croire dans les... avec toutes ces couleurs, là, on pourrait même se croire au Maroc. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, c'est superbe. Donc voilà, nous voilà bientôt à Trump. Alors, sans mauvais jeu de mots avec le président des USA. Non, c'est le nom du village, Trump. Ouais, on se croirait en Croatie ou je sais, en Serbie, par là-bas. Là. Oh. Mais, par contre, quand je vois la montagne en face, j'ai réellement l'impression d'être au Maroc, dans le Haut Atlas. C'est superbe. Quoi. Même les maisons, quoi. Ouais, on est au Maroc. Quoi. Oh, le petit bled là-haut, là. Superbe. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, hein. Il y a des gens qui se baignent et tout. Je crois qu'on va pas hésiter, hein. Une seule seconde. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc ça fait quand même pas mal de mois là que je rêve de ça. Me baigner dans un lac plus chaud qu'une piscine en Espagne. On n'est pas vraiment en Espagne, on est en Catalogne. Mais on va dire que c'est pareil, c'est à peu près pareil, quoi. Et voilà quoi, l'eau à je sais pas moi, elle est à combien, 25, 26? Oui, là elle est chaude. Elle est à 26 degrés, 27 quoi, 30 peut-être bien quoi, elle est plus chaude que la piscine. Donc super quoi, ça c'est bien. Donc je sais pas ce qu'on va faire, soit on va peut-être rester par là ce soir, mais plutôt au fond du lac. Non, tu veux pas? Je veux avancer moi. Tu veux avancer vers où? Vers le parc national des... Francia? Non, vers le parc national de quoi? Des aiguilles mortes. Des aiguilles mortes. Oui, je crois que ça peut passer. Et c'est où ça? C'est loin? Bah un peu, à 1 heure quoi. Le temps de la sieste se défile. C'est à 1 heure de route. Et puis on s'arrête là-bas ce soir et on... Oui, là-bas il y a plein de lacs. Il y a plein de lacs? Ah bah ouais, ok, mais bon, plus, on y va. Plus nature qu'ici quand même. Plus nature qu'ici. Ouais, bah là c'est un peu un lac hydroélectrique. C'est un lac un peu artificiel. C'est un lac artificiel, retenue. Ouais, retenue d'eau. Mais l'eau est super quand même. Bon, et allez, puis bah, là-bas, c'est pleine nature, c'est ça? Là-bas, on est dans un parc national, donc on est dans une réserve. Donc ouais, oui, c'est pas des barrages. C'est ouais. vrai, là, elle est à 14, l'eau. Et on est en hauteur? Ah, à la fraîche, quoi, le soir? Il y a deux chemins. Donc, quoi qu'il fait bon, là, hein, il fait super bon. T'as un col qui est à 2072 mètres, ou alors, je sais pas, tu vas me dire par où tu veux passer. Ok, bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Toujours quand même un moment de stress avec ce qui nous est arrivé la semaine dernière, quand on monte avec Auguste
J'ai toujours un œil sur la température. Ah, c'est à 80 là, pour l'instant. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça n'a pas l'air de bouger. Donc ça veut dire que la réparation a été bien faite. Ce fameux visco-coupleur qui nous a... Ah, le voilà, le beau village. Tant de soucis. Qu'est-ce que c'est beau. Ah voilà, caca controlada, il y a ça partout. Alors, on n'est pas tout à fait sorti de... du moment pipi caca de Jeanne et de Clément, ça nous fait rire, voilà. Et puis c'était quoi l'autre truc? Aéra. Aéra, caca. Prohibida, des caca. Des caca. Prohibida, des caca. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Alors dire. En fait, c'est complètement débile, mais caca, on sait pas ce que ça veut dire, caca. Caca. Voilà. Ça nous fait rire. Pipi. Alors, on va où là du coup? On va là dans la vallée de Noguera, Riba Gorjana. Désolé pour l'accent. Donc on va aller à la vallée du Noguera, donc elle est célèbre pour ses églises romanes pyrénéennes. Elles sont construites en petits appareils irréguliers coiffés de lauzes. Elles se signalent par un haut clocher collé à la nef. Après, à Boy, il y a un joli clocher roman. Ça, c'est à 30 km. Ah ouais. Et c'est une station de ski. À Tôle, c'est un petit village en développement et célèbre pour deux églises, dont une des fresques, ou parmi les chefs-d'œuvre catalans. Et après, on sera dans le parc national des aiguilles de Torte. D'accord. Donc, pas de la morte. Voilà. Et après, à Caldé des Boys, c'est ça que tu disais, à 30 ans. Boy, quelque chose, ouais. C'est une station thermale connue pour ses sources d'eau chaude à 56 degrés. Et voilà, nous voilà spotés à Toil. À Toil, on va aller visiter quelques églises, les églises romanes, le village. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que je trouve du wifi. Et puis, on va aller chercher du pain. Voilà l'histoire. Alors, je vous montre un petit peu, ça a l'air super chouette. Voilà, c'est un peu la spécialité, là, comme on l'a vu tout à l'heure là, dans la description de Chloé. Des églises romanes, voilà. Puis il y a pas mal, c'est ça a l'air un petit peu touristique. Ah bon, tu joues avec Lolo? Alors, on est bien à Taoul quand même. Maman? Bon bah nous on a bu une grande bière. C'est la Taoul. Ah ouais, on est bien à Taoul. Bon. Et voilà, nous voilà, enfin on est toujours, je veux dire, à Taoul. À Taoul, on ne s'est pas taulé. Enfin, une blague... de mauvais goût, petit moment de stress là tout à l'heure, parce que j'ai fait voler le mini drone. Bon alors j'ai regardé les vidéos, c'est pas génial. Ça manque, on voit les hélices évidemment, bon après je l'ai pas payé cher, hein. Le point positif, c'est qu'au moins je vais apprendre à piloter avec ça. Et puis bah quand j'aurai les sous, c'est-à-dire que là le camping-car il nous a coûté un peu cher, donc quand j'aurai les sous, ou peut-être si un jour on monétise nos vidéos, eh bien j'en achèterai un autre plus performant, évidemment, comme la plupart du reste du matos, quoi, caméra et tout ça, j'aimerais bien avoir du matos un peu mieux, quoi, on va dire. Un peu plus pro, quoi, parce que là ça reste amateur. Donc en fait je me suis fait un coup de stress et la télécommande n'avait plus de pile, donc en fait j'arrivais plus à le contrôler, quoi. Heureusement il était pas très haut, donc j'ai réussi à le récupérer. Et puis du coup il s'est mis en sécurité, donc il s'est arrêté, donc il a atterri, quoi. Et mais grand coup de stress, quoi. Allez, il était à voler juste là sur le parking là, et puis il y a une voiture qui est passée qui m'a regardé, et je fais oh attention. Heureusement il était à bonne hauteur, donc ça l'a fait. Puis bah du coup là je suis en train de recharger la télécommande, évidemment, quoi.
Et puis l'ordinateur, parce que j'aimerais bien faire de montage, quoi. Enfin bon, je pensais à ça, puis j'ai oublié Jeanne dans les toilettes, j'ai oublié qu'elle était dans les toilettes. J'étais en train de penser à une vie de nomade, à essayer de savoir comment faire, quoi. Je pense avoir trouvé une solution. Bah, je pourrais me faire des cachets de montage, puisque voilà, On est où encore là? des cachets de montage, et puis bah, rester intermittent du spectacle, comme ça, parce que ça reste un petit peu du spectacle. Continuer les concerts, voilà, et puis du coup, Chloé, si on décide de partir 6 mois, 1 an, bah, elle pourrait s'occuper bah, des enfants pendant que je fais mes montages, et bah, elle fait les cours pour Jeanne, elle fait les cours pour Jeanne, et puis elle fait les cours aussi pour Clémence. Et puis bah, quand elle en a marre, et bah, elle fait les montages, et puis bah, moi je fais les cours, machin. Voilà, je sais pas, parce que c'est vrai que ça me plaît quand même, la vie de nomade, ça me plaît quand même assez, j'aime bien les voyages, donc je sais pas, quoi, je sais pas, quoi. Bon, toujours est-il qu'on va finir ces vacances, là, j'ai quelques concerts assurés fin août, et puis bah, tout le mois de septembre et début octobre. Bon, comme tous les ans, jusqu'à la mi-octobre, quoi. Ça devrait envoyer pas mal, quoi. Je commence le 18 août au Châtillon-Plage, côté de La Rochelle. Et puis bah, là, ça va enchaîner, 3-4 concerts par semaine, jusqu'à mi-octobre, normalement. Donc voilà, ça va remettre un petit peu du beurre dans les épinards, comme on dit. Parce que là, avec les réparations, ça nous a coûté quand même 1 500 euros. Je sais même pas comment on va pouvoir faire pour payer ça, quoi. Je sais pas. Donc, bah, faut bosser. Voilà, l'histoire. Ça fait 5, 4 minutes 30 que je cause. Ça fait un peu beaucoup. Allez, ciao. On va manger. Toujours, c'est fermé, hein, toujours, ça